Là, il est buggé, il doit être sur la map. Petit bug des listes sur PC, du coup. Il était buggé. Ah ouais, il s'est complètement déco, du coup. Comme ça. Ah non, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celle-là. Ouais, tout à l'heure. Bon, moi aussi je peux le faire. Oh, comment on l'a déposé avec les customs. Regarde comment il est loin. Il s'éloigne à vue d'œil. Ah mais elle est dégueulasse la tienne. Je me baisse dans la voiture pour aller merde plus vite. Mais putain, je regardais ta voiture! Bah, c'est mieux qu'avec les roues F1 et machin. Et ah, mais j'ai pas mis les avant. Roues F1. Ah, bah, moi j'avais les roues F1. Ah! Ah non, les roues F1 là-dessus, non. Je suis pas d'accord. Ouais, elle tourne très très mal. Surtout c'est qu'elle avait la bosse juste avant le virage. Là. Ah, il est pas de parcours pour la fin. Ah. Ça peut encore commencer. Là, ça va commencer. C'est pour ça que je dis qu'il est sympa. Wood là, c'est que je vois arriver au loin là d'un coup. Oh. Bon, allez. Oh putain. Ouais. À quoi bon mettre un boost là? Pour les non custom, je pense. Oh, même pour les custom, c'est pas mal utile au final. Parce qu'on est arrivé trop vite. Non. Oh putain, je regardais la plateforme qui arrivait.
Et... elle freine mal, elle tourne mal, elle fait tout mal. Mais bon, après ça va, le parcours il est simple. Ouais. Ben, jusque là, ça va. Ah, je regardais la suite du parcours, j'ai failli me foutre dans le vide. Regardez les rampes qui montent là-bas. Et... pourquoi mettre un ralentisseur? Si c'est pour mettre un boost derrière. Je vais tomber, je suis tombé. Devant le point. Bravo. Bah. Comment c'est possible? J'ai sauté un peu trop comme un point. Hein. Non, saloperie. Oh, j'allais dire pas encore quand même, mais oh, c'est au moins 4-5 rampes là. YOLO. T'es à fond, à fond. Oh, ça va, il est simple. Il est plus simple que tu meurs. Ouais. Oh, le fou. Il s'est arrêté au mi en haut. Oh. Il s'est arrêté en haut. Oh putain. Ah bon. J'étais bloqué contre ta plaque. Ah tiens, accélère. Mais sans déraper. Elle va y aller. Doucement, mais... voilà. Et c'est pas évident quand t'es appuyé sur le frein en même temps. Ah bah ouais, non, faut pas. Ben pour la maintenir, c'est pour moi le redescendre alors. C'est comme un démarrage en côte. Alors, en moto c'est facile, mais en voiture, moi j'en fais jamais en voiture. Wow. Y'a rien de bien compliqué. Tu le fais au frein à main au bah, pire des cas. Puis voilà. Voiture, moi. Ah ouais. C'est que le permis moto. Je suis pas fan. Enfin, c'est pas que je suis pas fan de la moto, c'est trop dangereux. Pas le contraire, mais j'ai eu un accident en étant gosse et maintenant j'ai la phobie de la voiture. Du moins, j'ai pas la phobie de la voiture, j'ai la phobie des gens qui conduisent des voitures. Ouais. Tu regardes l'hiver, sortir en moto l'hiver avec la neige. Bon, moi je le faisais, enfin, pas avec la neige, mais sous la pluie et tout. Ouais, la pluie ça va, mais avec la neige et tout.
Quand j'habitais encore à Paris, que j'avais mon scooter là, quand l'hiver, ouais, c'était chaud hein, en deux roues. Surtout que scooter, c'était pneus slick, ouais, c'est tendu. La seule fois où j'ai essayé en moto, je me suis viandé sous la neige. Donc Puis même, c'est dangereux, encore pire à Paris. Et les mecs, ils mettent pas leur clignotant, ils font n'importe quoi. Comment dire? Il change de voix sans clignotant, oh, c'est trop dangereux. Oh, il y en a, c'est les Ah, c'est le parisien, hein. C'est normal. Non, c'est pas les parisiens, tu sais, à Bordeaux, ils sont pas mieux. Hein. Bah, toutes les Même grandes Bordeaux, ils sont pas métropoles, hein. conscients. Là où il y Bah, a des déjà, rien que mon plus embouteillages et grand des tout. frères, déjà. À une époque, il était inscrit, je sais pas si vous connaissez OVS. Tu sais, c'est pour faire des sorties. Et il emmenait des gonzesses avec lui, tu sais. Mais mon frère, lui, il roule à 200, lui. Et un jour, je lui ai dit, mais t'es complètement taré, toi. Le jour où tu te viandes avec la gonzesse derrière et qu'elle se fait amputer d'une jambe ou qu'elle a quoi que ce soit, tu vas avoir des problèmes, Oui. hein. Il me fait, mais non. Je fais, bien sûr, t'as rêvé, ouais. Je fais, tu crois que la gonzesse, une fois qu'elle sera à l'hôpital avec une jambe cassée ou des jambes cassées, elle va pas te faire un procès au cul? Mais Oh, tu rêves ou c'est pas quoi, pire, toi? même. Oui, mais quand je dis ça, c'est gentiment parlant, quoi. Et je dis, mais tu rêves, là, si tu crois que la grossesse, ça va pas te faire un procès. Alors il a arrêté ça, et maintenant il fait du circuit. Bah, circuit, c'est mieux, au moins tu mets la vie de personne en danger. Voilà. Et là, t'as quand même quelqu'un derrière toi. Il fait, ouais, mais la grossesse, ça te dira rien. Je fais, ouais, mais ses parents, t'as pensé à elle, à ses parents, toi? Ah. Si la gonzesse elle meurt ou quoi que ce soit, pourquoi t'es complètement carré comme type? Ah, moi j'aime bien la Après, t'as vitesse derrière moi, aussi, ça mais c'est le code de la route. Hein. bon, quand il y a du monde sur la route, tu fais attention que. Non, ouais, mais t'as bon faire attention. Le problème, c'est que moi, tu vois, je fais de la moto depuis 30 ans, j'ai plus de dents, j'ai un genou en vrac. Et j'ai toujours fait attention sur la route. Un jour, un copain à moi m'a demandé pourquoi je mettais mon casque pour faire 500 mètres. Ben, il a compris. Hein. On s'est fait shooter en allant manger un kebab hein, à 2 km de chez moi. Hein. Bah ça Un mec oui, qui t'as nous a pas besoin de foutu la faire des face. longues Hein. distances pour avoir un Ben accident. non. Et que maintenant, lui, ouais, il a compris à quoi ça lui servait un casque. Hein. Ben, c'est lui qui m'a explosé toutes les dents, quoi, en fait. Hein. Sans lui, j'aurais encore des dents hein, aujourd'hui. Hein. Comme il faisait 70 kilos et qu'il m'a encastré dans le carénage, ouais, il m'a explosé toutes les dents, quoi, en fait. Ouais, j'ai un copain, ouais, il a fait 15 jours d'hôpital avec perte de mémoire et tout, hein. Un mec sur l'autoroute qui nous a shooté, hein. Bah, vous qui êtes de Lille, vous connaissez les quatre cantons, la sortie des quatre cantons. Moi, je suis pas de Lille, hein. C'est Sadès et Détour qui sont de ce Ah coin-là. oui, il doit connaître la sortie des quatre cantons. Bah en fait, j'attendais pour sortir, tu sais. Et un mec, à la dernière minute, il s'est aperçu qu'il sortait là. Et il a mis un grand coup de volant et nous, on était là. Il nous a explosé sur l'autoroute à 120 km/h. Mon pote, lui, il a fait la route, la bande d'arrêt d'urgence, la barre de sécurité sans jamais toucher le sol, le type. T'imagines le saut qu'il a fait? Ça, c'est pour ça que j'aime Moi pas j'ai la tapé moto. un arrière de camion, j'ai tapé les rambardes de sécurité et Putain, je m'en suis sorti vivant c'est quoi. pas que j'aime pas, mais c'est trop dangereux en fait. J'aime bien la moto en soi, tu vois, mais c'est trop dangereux.